Benita, tanan shoge, tangi mangboji bale bale sin shiawa desu. Wa, di shiawa dendo, senzor da denbe ma ni shiawa insi. Ma rangi, senzor, deni, ena, ma rangi senba, Ah, chen ya mare ngarangi towa dang. Tini chorandula, haro china, sam. Tini ngarandu, sui ne, nyamle chi dang dang, kari ina norgo res. No, nor si baji res. Wa, nor si baji res. Nor tabi shula kangi tegir was. O, dinde da uji ina, ngege, chegi yus. Chorang tuwe yang ta tobe rawa chigi yuesu. J'ai conscience d'avoir parlé longtemps, en fait, ce matin, mais c'était important pour moi de... J'ai dit bala 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 bala. C'était important pour moi de vous faire part de mon sentiment, quelque part. Et j'espère, par-dessus tout, que cela pourra vous aider, cela sera susceptible de vous aider. Parce qu'en fait, justement, on est tous susceptibles de faire des erreurs, on est tous susceptibles de mal s'y prendre dans notre manière de nous relier au dharma. Ça peut et ça nous arrive à tous. Et donc, il importe d'apprendre à le voir. En fait, il est important de pouvoir le voir, d'en prendre conscience et de le réajuster. ね、だ、だ、だ、何しょげんげげでに、しゅうらだ、くろん。だってちっちゃばれです。Et nous avons enchaîné en fait ensuite avec l'élaboration d'une motivation qui, elle, était un peu plus concise, ceci dit, でやんけじょうしゃらです。mais qui n'en demeure pas moins importante. くろん、やぼちゅうやな。L'aider à y avoir du modeste. Pourquoi? Parce que si notre intention, notre motivation est bonne, les actions qui en découlent le sont aussi. Samba, samba, ça dans la mienne, sans céder, rédévores. Samba, maintenant, ça dans la mienne, mais. Oui, rédévores. Rinpoche nous a bien dit, en fait, lorsque la pensée est bonne, l'action qui la suit l'est tout autant. Lorsque la pensée ne l'est pas, bah, l'action qui la suit, en fait, qui s'ensuit, ne l'est pas davantage. C'est la raison pour laquelle, nous dit Rinpoche dans cette même strophe, c'est la raison pour laquelle efforce-toi, en fait, de développer des états d'esprit vertueux, d'avoir des pensées constructives. Et quand il nous dit efforce-toi donc de développer des pensées constructives, ça veut dire par là des pensées qui redoutent finalement de causer du tort, de nuire aux autres, et des pensées au contraire qui n'envisagent finalement, enfin qui envisagent d'être bénéfiques aux autres. Et on dit habituellement aussi, par ailleurs, que si l'on veut être heureux, si l'on veut soi-même donc être heureux, il nous faut développer l'altruisme. Il nous faut développer par altruisme, là, c'est déjà en termes d'état d'esprit, en fait, avoir un état d'esprit altruiste. Tende sondan ta dende ki kulung de ta simjian tamjian tembe samba de lak yakshu de chenju semre de oris ta.
Et lorsqu'il est question donc de développer des pensées vertueuses ou constructives, donc d'élaborer l'intention, la motivation, il n'est pas de pensée plus constructive que Bodhicitta, que l'esprit d'éveil. Tenda chanchu semdi sotsuki kulung chuya kitala roto na di chawa dindu tamo di simji rowa ina pe mese kita pe yunchi mo chawa waris. En ce sens que si, lorsque nous mettons en place notre intention, notre motivation, nous prenons soin enfin d'imprégner notre esprit de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, alors il ne fait aucun doute que toutes les actions, toutes les activités que l'on mène ensuite, qui sont mues, en fait, qui sont dirigées par cet esprit d'éveil, ne pourront être qu'extrêmement bénéfiques. De son temps, à l'endroit du tado, coulon d'avoué, changez semi simple, mon éclair, tablam jet. N'y a pas de ça. Aussi essayons continuellement, en tout cas autant que faire se peut, de nous assurer que c'est réellement l'esprit d'éveil qui imprègne chacune de nos intentions, de notre qui nous motive, en T'as fait. des résines de coulon d'un achouvé, ma question, j'ai tamé de ton tour de la même abandon de Sanji, je crois, en tour tout. Ti chir do ani sanji chi go ma thwa chi gi samje ni kulun che ba res ti da nyam do la ni che tam ji da de ma me ba to be han de ka su re de ma me ba ta be ta wa chi to ti ji sam lo tam ba res. Donc simplement pour reprendre, en fait, revenir un instant juste sur la conclusion de la motivation à laquelle nous sommes arrivés ce matin. En fait, ce que nous avons finalement ancré, ce dont nous sommes déterminés, finalement, c'est de vouloir, afin d'être bénéfique à tous les êtres nommés, parvenir nous-mêmes à cet état d'éveil insurpassable, à cet état de Bouddha, et comprenant en fait que chacun de ces éléments, comme l'ensemble des phénomènes au demeurant, sont dénués d'existence propre, existent de manière interdépendante et non pas indépendante, de manière interdépendante, et sont dénués de toute trace d'existence propre. Déni de ça, ça ne veut pas dire que la main t'a ni de théories. Et le fait est que l'obtention de l'éveil dépend étroitement en fait de ces deux causes, peut dire fondatrices en fait finalement ici. J'aime ça. C'est vrai ou non? Oui. Pourquoi obtenir Bouddha, on a besoin de deux causes. Pourquoi Pourquoi? afin de devenir un Bouddha, afin de parvenir à la bouddhéité, faut-il que ces deux causes soient réunies? Nous devons traiter une bataille singulière, est singulière, et là nous y avons. Une bataille est singulière, ni un des cas, comment nous le mettons dans des tabassons. Si je me permets de poser cette question, en fait, c'est que je pars du principe que les anciens, vous le savez, en fait. Mais comme je vois quand même des visages plus nouveaux, je me demande si tout le monde est au clair avec ça. Et du Canada, du nid de mana, de vous en dire, chacun de tout maris, la voiles, nam du gomblodura, tabji simbe, shirab chimwana, shirabji simbe, tab chimwain, son yoris. Sans ces deux causes, en fait, donc en l'occurrence, sans ces deux niveaux de bodhicitta, sans ces deux esprits d'éveil, donc relatif et ultime, l'on ne peut pas atteindre en fait ou actualiser les deux corps d'un Bouddha. Et on peut reprendre ici ce que nous dit Nagarjuna lorsqu'il nous dit la sagesse dépourvue de méthode nous maintient liés et la méthode dépourvue de sagesse nous maintient elle aussi liés. Il commence en fait à l'inverse. Il dit la méthode dépourvue de sagesse nous maintient ligotés. Et la sagesse dépourvue de méthode nous maintient elle aussi ligotée. Voilà.
En effet, lorsque la sagesse est présente, mais sans que la méthode ne le soit, juste pour clarifier ici, ce qu'on entend par méthode, c'est le développement de ces états d'esprit que sont la bienveillance, la compassion, l'altruisme, l'esprit d'éveil dans sa forme relative. C'est ça la méthode. Donc, à partir du moment où seule la sagesse est présente et cela, donc, et que la méthode fait défaut, l'individu peut se libérer, oui, du samsara. Il peut mettre un terme au cycle des existences, parvenir à la libération, mais en fait, il reste lié à cet état de l'extrême de la pacification, sans ne jamais pouvoir, enfin, sans ne pouvoir atteindre finalement l'état de Bouddha. Mais d'un autre côté, lorsque seule la méthode est présente et que la sagesse fait défaut, donc par sagesse s'entend bien sûr toujours la sagesse ici qui réalise la vacuité, alors à ce moment-là, l'individu n'a pas la possibilité même de s'affranchir en fait du cycle des existences et est contraint en fait de continuer à y errer. Donc. Et par exemple, dans les trois principaux aspects de la voie, Jiang Poche nous dit, mais si tu as cultivé le renoncement et l'esprit d'éveil, pardon, même, il dit, même si tu as cultivé le renoncement et l'esprit d'éveil, en l'absence de la sagesse, il dit qu'il connaît le mode d'existence ultime des phénomènes, c'est-à-dire qu'il réalise la vacuité. Donc même en l'absence de la sagesse qui connaît le mode d'existence ultime des phénomènes, tu ne pourras trancher la racine de l'existence cyclique. Donc, et en d'autres termes, on ne peut interrompre, donc on peut trancher la racine de l'existence cyclique, on ne peut se libérer, en d'autres termes, du samsara. Et donc, Jerem Poche de conclure, aussi efforce-toi de réaliser l'interdépendance, et en disant ceci, en fait, il renvoie finalement à la réalisation de la vacuité. En fait. Mm. Aussi, développe cette sagesse qui réalise la vacuité. Mm. Hein? Donc c'est un premier aspect. Un autre aspect est que pour parler en fait de bouddhéité, pour qu'il y ait obtention de l'état de Bouddha, il faut que soient actualisés donc les deux corps en fait d'un Bouddha. Lorsque l'on parle en fait des deux corps d'un Bouddha, il s'agit de ce qu'on appelle le corps de la loi, le Dharmakaya, et le corps de forme, le Rupakaya. Étant entendu que qu'est-ce qui est à l'origine finalement de la possibilité d'actualiser le Rupakaya, le corps de forme, c'est c'est l'accumulation de ce qu'on appelle les mérites. Et qu'est-ce qui permet d'actualiser le Dharmakaya, c'est-à-dire le corps de la loi, c'est l'accumulation de sagesse, de sagesse supérieure. Quand on parle ici d'accumulation de mérite, qu'est-ce qu'on entend? En fait, c'est tout cet aspect de la méthode.
C'est-à-dire finalement tout ce qui va pouvoir être accompli sous l'emprise de la bienveillance, sous l'emprise de la compassion, sous l'emprise pardon, de l'altruisme, de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, dans sa forme relative. Et ça consiste en l'accumulation de mérites qui sert de cause à l'obtention du rupa kaya, donc du corps de forme. De l'autre côté, il y a cette accumulation de sagesse qui est à l'origine du dharma kaya, du corps de la loi. Cette accumulation de sagesse, quelle est-elle? C'est le fait de réaliser, en l'occurrence ici, la vacuité. Donc, c'est une sagesse qui réalise, qui perçoit la réalité, la vacuité, et permet en fait une accumulation de sagesse qui constitue la cause ou les causes d'obtention du dharma kaya. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut affirmer que si ces deux causes ou l'une ou l'autre de ces causes fait défaut, en fait, tout simplement, l'état de Bouddha ne peut être obtenu ou atteint. Et si l'on se pose la question de pourquoi ces deux corps finalement d'un Bouddha, pourquoi besoin, si on peut dire, d'un Dharmakaya et d'un Rupakaya, en fait, c'est que chacun de ces corps, alors quand on dit corps, en fait, c'est un ensemble, hein, comme on dirait un corps de texte ou un corps d'un cursus dans un programme, un truc comme ça, c'est un ensemble, en fait, hein, c'est un certains vont dire ça pourrait être une dimension en fait ou une sphère en fait, appelez ça comme vous voulez en fait, ou une sphère d'activité hein, dans cette même notion. Qu'est-ce qu'on entend en fait, pourquoi pardon ces deux corps? C'est parce qu'en fait ils répondent finalement à deux fonctions différentes. C'est-à-dire que foncièrement, qu'est-ce que l'on cherche lorsque l'on développe l'esprit d'éveil? En fait, on cherche à pouvoir, comme on dit techniquement, à parachever les deux bienfaits. C'est-à-dire quelque part à exaucer ou assouvir, accomplir notre intérêt personnel, exaucer, accomplir l'intérêt de tous les êtres. En fait, c'est ça que l'on cherche foncièrement. Et ces deux corps, donc ces deux sphères, finalement, ces deux dimensions-là, permettent cela. C'est-à-dire que la réalisation du Dharmakaya permet de parachever son intérêt personnel, alors que le développement ou l'obtention du rupakaya, du corps de forme, permet en fait l'actualisation, l'accomplissement de l'intérêt d'autrui. Parce que très concrètement, là on peut dire, si un Bouddha ne se manifestait, on pourrait dire, qu'à l'état de Dharmakaya, il manquerait, en fait, il n'aurait pas finalement de support, alors matériel c'est difficile à dire, mais on peut dire presque matériel, il n'aurait pas de support matériel, presque entre guillemets, c'est délicat, presque tangible, pour entrer en interaction avec les êtres. Il ne pourrait pas être perçu, perceptible par les êtres, en fait, c'est dans ce sens-là. Donc, voilà, enfin, gardez cela à l'esprit, cette compréhension-là à l'esprit. Donc ça veut dire garder à l'esprit la nécessité qu'il y ait deux causes pour l'obtention de ces deux corps et pour quelles raisons donc, et garder à l'esprit plus particulièrement en quoi consiste chacune de ces causes, comment est-ce qu'on les accumule finalement, comment on les réunit et en quoi consistent donc les deux fruits qui en découlent, c'est-à-dire les deux corps. Donc, souvenez-vous de ça, pensez et soyez clair, au clair avec ça, gardez-le à l'esprit. Je vous poserai la question de temps en temps. Et ce qui importe, en fait, foncièrement, c'est que lorsque l'on s'adonne à la pratique du dharma, en fait, lorsqu'on utilise le dharma, il faut prendre soin dans chacune de nos pratiques d'amener ces deux dimensions, c'est-à-dire de combiner, en fait, ces deux causes, c'est de s'assurer que ces deux causes sont présentes conjointement, en fait. Yeah.
Et c'est extrêmement important donc, de bien identifier ces deux causes, dans la mesure où on dit justement il faut s'assurer que dans toute pratique que l'on fait, hein, qu'elle soit formelle ou qu'elle ne le soit pas, de s'assurer autant que possible que ces deux causes soient présentes. Donc tout l'intérêt de bien les identifier. Et donc c'est l'esprit, notre esprit imprégné désormais de cette double aspiration d'un moi, donc qui consiste en l'esprit d'éveil donc relatif ici, notre esprit imprégné de cela que nous allons dans cette dimension là, que nous allons écouter en fait exposer et écouter l'enseignement. Avec cette idée que nous écoutons, en fait, nous exposons et écoutons un enseignement dans le but, en fait, avec la volonté de l'utiliser, de nous en servir, de l'appliquer à notre esprit. C'est vraiment, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est ce qui s'impose, en fait, c'est d'appliquer ce qu'on entend, ce dont on prend connaissance, de l'appliquer à notre esprit. Et c'est souvent là où le bas blesse en ce qui nous concerne. C'est là où le bas blesse en ce qui nous concerne, et c'est là où il faut se poser la question, mais pourquoi finalement, pourquoi on ne l'applique pas à notre esprit? Et même, donc non seulement au fur et à mesure qu'on l'entend de ne pas l'appliquer à notre esprit, mais toutes ces choses que l'on sait, en fait, voilà, c'est comme un amas de savoir que l'on a développé, de connaissances, mais dont on ne se sert pas, en fait, que l'on n'applique pas à notre esprit. Il faut se poser la question de pourquoi. En fait, on a tout le matériel nécessaire. Et maintenant, il faut s'en servir. Parce que bah, si on ne s'en sert pas, c'est, tous ces outils, en fait, ils ne nous servent à rien. Le fait est donc que pour pouvoir quelque part bien comprendre en fait chacun de ces outils ici en l'occurrence, pour pouvoir les appliquer à notre esprit et les appliquer correctement à notre esprit, il faut pouvoir notre esprit a besoin de pouvoir s'appuyer sur une quantité suffisante d'énergie positive et sur un esprit suffisamment dépouillé de son potentiel non vertueux. Donc, c'est là où il est nécessaire, c'est ce que l'on entend habituellement quand on dit il est nécessaire de s'abandonner aux pratiques d'accumulation et de purification. Jainpoche de nous dire en fait que lorsque l'on essaie de mémoriser, si c'est pas facile, si ça rentre pas facilement ou si on oublie vite, comme moi par exemple. Donc c'est ce que dit Geshe-la, donc je suis obligée de traduire comme moi, donc dit-il. Donc, si on essaie de mémoriser que ça ne vient pas facilement, si on essaie de réfléchir et qu'on patine, que c'est laborieux cette réflexion, qu'elle ne nous mène vraiment nulle part, si on essaie de méditer mais que notre esprit rechigne, qu'il a du mal à se familiariser avec ce qui s'amène, enfin, ce qui se présente à lui, si on n'arrive pas à développer des qualités, que notre progression est laborieuse, Jaim Poche nous dit quoi? C'est en fait que l'on manque justement de cette d'énergie positive et que le poids de notre karma non vertueux impacte trop notre esprit. Donc, il faut nous adonner aux pratiques d'accumulation et de purification. Ça, c'est incontournable en fait. Et
Et c'est la raison pour laquelle, alors d'ordinaire on le fait plus tôt, mais c'est pas grave, c'est la raison pour laquelle on va adresser maintenant la louange au Bouddha Shakyamuni, comme on le fait normalement le matin. Alors, bien entendu, comme à l'accoutumée aussi, avant d'adresser la louange au Bouddha Shakyamuni, on prend soin de faire apparaître en face de nous, dans l'espace, les objets de refuge. Alors peut-être parmi vous, honnêtement, comme je vois des têtes nouvelles, soyez les bienvenus, mais je ne sais pas si vous êtes bouddhiste ou pas, ce qui n'est pas en soi grave du tout. Sachez simplement que c'est de cette manière-là qu'on procède habituellement. Alors, quand on dit qu'on fait apparaître en face de nous, dans l'espace, les objets de refuge, on prend soin de faire apparaître donc, en face de nous le Bouddha Shakyamuni, ce qui en tout cas prend l'aspect, en fait, revêt l'aspect, les traits du Bouddha Shakyamuni, mais qui est en essence donc, notre propre maître spirituel. Qui est lui-même entouré donc, de part et d'autre de l'ensemble des Bouddhas et des Bodhisattvas, donc des 10 directions. Donc ça, ce sont pour les objets de refuge que l'on visualise en face de nous dans l'espace, en prenant soin, même si notre visualisation est fragile, d'être convaincu en fait, de leur présence, qu'on est réellement leur présence. Et d'autre part, on se visualise nous-mêmes entourés de l'ensemble des êtres, des 6 classes, en prenant soin de mettre notre père à notre droite et notre mère à notre gauche. Et l'ensemble des êtres, donc des 6 classes, tous sous forme humaine, qui, comme nous, finalement, considèrent les souffrances qui sont propres à leur état, les souffrances générales du cycle des existences, et qui, tout comme nous, finalement, redoutent d'en faire l'expérience ou de continuer en fait, à en faire l'expérience. C'est la raison pour laquelle tous, nous nous tournons en fait vers ces objets, vers les objets de refuge, donc les mains jointes, avec cette confiance en fait, en leur accordant le crédit quelque part de pouvoir nous préserver en fait de l'expérience donc des souffrances propres aux états d'existence infortunés et plus général des souffrances donc globales à l'ensemble du cycle des existences. Et c'est fort de cette double cause ici, donc qu'il y a refuge, c'est-à-dire d'une part il y a cette crainte de faire l'expérience de ces souffrances, et de l'autre cette confiance, cette foi en fait que l'on place en les 3 joyaux, en les objets de refuge. Et donc nous sommes à la page 73 du livre doré. Au maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître, enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha parfaitement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage.
Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, protecteur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Protecteur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Sangha, hommage au noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes digne de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, alors c'est une aberration visuelle et pas une vue déficiente. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi des défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On poursuit avec le sutra du cœur. Un hommage aux trois joyaux. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des Vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories des phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara contemplant la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats eux aussi sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, les sensations, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avènement, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention. Les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit s'envole et sans peur. Et comme ils sont passés, bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Ayata, kate, kate, parakate, parasamkate, bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua la bodhisattva, mahasattva, Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent.
Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattvarya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. On va passer au bas de la page 81, à la prière à la Dakini. Agasamaranda jadaradamara ya be da ya da gati gati para gati para sam udi soha baba kunju sunje kai dembe topje chir doba juji meba juji shiva juji thage baje minde be chore ingyamba shindo guru so gire donda jenjoy. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puisse nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puisse tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Alors, je ne sais pas si vous avez la petite feuille, enfin, je suis perdue, ce que vous avez ou pas. Celle du prologue de l'Abhisamayalankara. La feuille volante. Ok, je vous la lis. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des chemins, elle permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les Munis enseignent les variétés de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas, des assemblées d'auditeurs et de Bodhisattvas, je me prosterne. Alors, vous m'aidez pour le mandala? Je suis perdu. Merci. Page 98.
Le Bouddha, le Dharma, le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends grâce au mérite réuni par ma pratique, par l'écoute de grâce au mérite réuni, oui, simplement, grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement et des autres vertus, puis-je devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement et les autres vertus, puis-je devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Namji da sanje chodo ma de yin de ga ne ta che ni de den de ga ne che ni sla de ja ja go ro de ke chim bu chi de sro wa su cha wa kare chi su cha wa kare chi ge na de la che ge cha wa kare chi ge na wa de la an de ja na ya wa de su En fait, il faut avoir cette flexibilité de savoir adapter les strophes. Et là, en l'occurrence, quand on rencontre ce quatrain du refuge et de la génération de l'esprit d'éveil, cette troisième ligne, donc pour nous ici, c'est grâce au mérite, en fait, c'est aux accumulations. Ce serait plus. Et d'ailleurs, Dakijin Sok. Non, mais Dakijin Sok, non, qui en plus est une erreur là, parce que c'est un Sok, c'est les accumulations. Peu importe. Non. En fait, là, il y a une erreur de traduction. Hein. C'est grâce aux accumulations. Tsok, c'est accumulation. C'est pas sonam, c'est pas les mérites. Grâce aux accumulations, c'est toujours pareil. C'est l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse. Que si on dit que mérite, on oublie la sagesse. Donc, grâce aux accumulations, réunies par quoi? Ben, réunies par l'action de dharma à laquelle on s'adonne. Ça pourrait être grâce aux accumulations réunies par, par exemple, ma méditation, par l'exposé que je vais faire de l'enseignement, par l'écoute que je fais de l'enseignement, par ma pratique ici de la générosité, là de l'éthique, là de ce qu'on s'apprête à faire. En tout cas, c'est ça. Donc, il faut savoir l'adapter. Oui, c'est important justement d'avoir. Ça aide à donner du sens en fait à ce que l'on fait plutôt que de répéter mécaniquement. Il est dans le dîner sonam la loi. Sonam jibo chine la vio ma des. Sonam jibo la non. Ici, tome à bachar go des lois. Donc, oui, c'est important. Donc, ce que là, je viens de rajouter, Geshe l'a le dit, c'est important, c'est pas ce nam, c'est tsok, en fait. Tsok nam ki. Le nam, c'est la marque du pluriel. Tsok, c'est les accumulations, en fait. C'est grâce aux accumulations réunies en faisant ceci ou cela. Donc, il faut vraiment, parce que sinon, on laisse de côté la sagesse. Oh, c'est vrai. Ce nom, oui. Oui. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a besoin des deux accumulations. Si on n'a pas les deux accumulations, c'est-à-dire accumulation de mérite et accumulation de sagesse, mais comme on vient de le voir, on manque, en fait, on n'a pas les deux causes qui concourent à l'obtention des deux corps. Donc, des week-ends d'amarwa, des week-ends d'amarre. On en arrive donc avec ce week-end au terme de ce commentaire sur l'entraînement de l'esprit. Et donc, peut-être, donc, dont nous avons parcouru en fait déjà une grande partie du texte. Commenter une grande partie de ce texte. Da, Kéchimbushi, Tomachan, Mondo Tala, Lapsia, Kéchimbushi, Sinta, Namche Junde Tao, Shedia, Dotaris. Et donc, la structure de cet entraînement de l'esprit se décline selon 7 points. Le premier point consiste donc aux pratiques préliminaires, aux préparatoires. Et ici, Geshe Chekawa nous dit entraîne-toi d'abord aux préliminaires ou aux préparatoires. Aux pratiques préparatoires.
Et ça, c'est essentiel, en fait, quelle que soit l'action à laquelle on s'adonne. Parce que si les préparatifs ne sont pas bons, ben on ne va pas aller très loin. Et ça, je vous le répète tellement que je pense que vous avez les oreilles qui sifflent à force. On se dit, allez, et celui-là, il revient encore là-dessus, quoi. Une fois, quelqu'un me l'a dit directement, en fait, ça. Et cette personne, je lui ai posé la question suivante. Et je lui ai dit, est-ce qu'au moins tu le fais? Et la personne a voulu me donner l'impression qu'elle le faisait. Et donc je lui ai posé deux, trois questions. Et elle a été un petit peu en difficulté au bout d'un moment, cette personne. Et donc, je me permets une nouvelle fois de vous rappeler en fait, que ce qui importe, c'est de commencer à entraîner notre esprit aux premières étapes, en fait, aux étapes, aux premières étapes des étapes de la voie vers l'éveil, donc du Lamrim. Alors, dans la structure de cet entraînement de l'esprit, le deuxième point, c'est la pratique principale qui consiste donc en le développement des deux bodhicittas. À savoir, donc, la bodhicitta, l'esprit d'éveil dans sa forme relative ou conventionnelle, et l'esprit d'éveil, donc, dans sa forme ultime. Je me pose la question, est-ce que moi je vous la pose la question de savoir ce qu'est l'esprit d'éveil relatif ou non? Je ne sais pas. Allez, c'est quoi l'esprit d'éveil relatif en sa forme relative? Sentez-vous libre, n'importe qui, hein, pour répondre. La méthode, excusez, j'ai un doute, mais c'est pas. La méthode. Ah, pas. Tatare. Ok. Gentillesse. Jean-Paul. Pour le bien de tous les êtres. Chanton. Venez. Dumba. Respiration Dumba. Dumba. L'aspiration. Mm. Alors, on a des petits bouts, hein. C'est des petits bouts d'ici de là. Miettanji. Que long, il y avait comme ça. Kulong. Reprenez la motivation comme elle a été menée. Regardez où on est arrivé. Repensez au disque de lune. Je crois que c'est vous avez rien entendu, mais ça vous aide quand même. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit cet état d'esprit qui combine une double aspiration. C'est l'aspiration. Alors, tous ensemble ou un après l'autre, mais là, c'est... Je vous avais pas entendu, pardon, peut-être, et puis sur Zoom, sûrement pas. L'aspiration de devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Et là, on a les deux aspirations. L'aspiration de vouloir être bénéfique à tous les êtres qui nous mobilise, qui génère l'aspiration de devoir devenir, vouloir devenir un Bouddha. Parce qu'on réalise qu'on doit devenir un Bouddha pour les aider. Donc, la première, c'est l'aspiration d'être bénéfique aux êtres et l'aspiration à devenir un Bouddha. Mmh.
Et donc, c'est ce qu'on entend par l'esprit d'éveil relatif, et donc qui s'est élevé en l'esprit dès l'instant, en fait, où une conscience, finalement, combine ces deux aspirations. En fait, aspire à cela conjointement. Adi kazi nga ma dang zi kalakantan xie tsare zirwa. Ma cha tang xie tsare zi. Di dan di yi ya ni jie wei tse. Dan di cha tang xie tsare zi. Et le kangalo. Comme ça. Et donc, en fait, si on reprend notre texte, en fait, donc, quant à la pratique principale, on a vu ce premier point qui consiste à voir comment nous entraîner à développer cet esprit d'éveil dans sa forme relative. Puis ensuite, on avait mis de côté temporairement comment développer l'esprit d'éveil dans sa forme ultime. Et donc, on avait continué toujours dans la veine, pour le moment, de l'esprit d'éveil dans sa forme relative, voir comment on transformait les conditions adverses en voie vers l'éveil. Comment synthétiser finalement les pratiques d'une vie, d'une seule vie? Comment évaluer ensuite un esprit qui était entraîné à partir du moment où on considère, de quel moment, à partir de quel moment on considérait qu'il était entraîné? Et ensuite, on avait terminé par les 18 engagements à faire en l'esprit d'éveil et les instructions ensuite, ce qu'on appelait les 22 observances. Les instructions donc pour qui permettaient d'entraîner, en fait, de nourrir cet esprit d'éveil. Donc tout cela maintenant, vous le savez. Tout ça maintenant, vous le savez, puisqu'on l'a parcouru, on l'a commencé à être commenté. Donc, ce que l'on a entendu ou étudié, c'est le même terme en tibétain. Ce que l'on a entendu ou étudié, en fait, ensuite, il faut nous en servir. Et donc, il importe ensuite de reprendre finalement ce que vous avez entendu. Quand on a entendu quelque chose, il convient d'y revenir. Il convient de se donner le temps d'y réfléchir, de reprendre ses notes. À cette occasion d'ailleurs de dire de bien vérifier ses notes parce que elles peuvent être quelquefois incomplètes, elles peuvent être quelquefois incorrectes. Donc, de prendre le temps de vérifier ces notes, de les recouper pour voir qu'elles soient fidèles, le plus fidèles possible à l'enseignement qui a été dispensé. Donc, il convient de revenir, en fait, sur ce que l'on a entendu. Alors, comme on l'avait dit au début de ce texte, hein, selon les versions tibétaines en fait, de ce Lojong, l'ordre donc de certaines strophes, hein, ce n'est pas vraiment des strophes, mais de l'agencement des vers peut différer sensiblement d'un à l'autre. Et en l'occurrence, dans la version que j'ai, l'esprit d'éveil dans sa forme ultime, l'entraînement à l'esprit d'éveil dans sa forme ultime vient en début, en fait, carrément. Lama suzuk sundang da tindrik to ne nkundu chanju semnya la sungne tanda chanju semnya la sungne yore sulwa. Mais si l'on suit finalement la tradition orale, c'est-à-dire la manière dont les maîtres ont commenté ce texte, et ensuite finalement l'ordre non pas obligatoire du tout, mais le plus fréquent, on pourrait dire, de développement de ces deux états d'esprit, en fait, c'est la raison pour laquelle on commence en fait, par exposer l'esprit d'éveil relatif, dans sa forme relative, et ensuite celui dans sa forme ultime. Les textes mentionnent bien ce point, c'est-à-dire que l'esprit d'éveil ultime peut être envisagé de prime abord pour des êtres dont les facultés, finalement, sont particulièrement vives. Et
Parce que des êtres dont les facultés sont particulièrement vives, dès lors qu'ils entendent donc esprit d'éveil, par cette notion d'éveil, en comprenant en fait ce qu'est la nature de l'éveil, appréhendent en fait la vacuité, relient cela, peuvent relier de suite cela à la vacuité et développer une perception de la vacuité. Puisque, alors on ne l'a pas malheureusement nous en français, c'est pas du tout, on ne le retrouve malheureusement pas du tout dans notre langue, mais en tibétain, quand on reprend ce terme éveil, enfin traduit par éveil, ce terme c'est chang choup. C'est constitué de deux syllabes, et la première, chang, janwa, en fait, ça veut dire qui a été purifié, en fait. Changwa, cela te cache changwa, cela ne dégagne, ça me donne dégagne, mais mon mari s'est dit que changwa. Et donc, quand on fait référence ainsi à un état de Bouddha, donc éveil, par Chang Chup, ça veut dire que par Chang, c'est un état qui s'est vu dépouillé, purifié en fait, oui, purifié de quoi? Des deux types de voiles, des voiles des perturbations, des voiles à la connaissance. Di labi yin duka ne, di semla chen yin duka ra ne, nti ne, tongyi ki tawa di semla le yung kore se. Et un tel esprit, donc, a quelque part la sagacité en fait suffisante de pouvoir, dès lors appréhender ça, c'est-à-dire c'est l'éviction, finalement, la purification des deux voiles, des voiles des perturbations et des voiles à la connaissance. Un tel esprit fait le lien immédiatement avec la vacuité. Maripa Changba, cela vient de Ross. En d'autres termes, comprend en fait que c'est enfin, que cet état est un état finalement qui est purifié de l'ignorance en fait littéralement avec ce sens pardon Quentin, avec ce sens par ignorance que purifié de la méprise fondamentale en fait qui nous rend confus c'est ça par ignorance c'est pas de pas savoir c'est de mal savoir en fait c'est vraiment la grosse différence mais c'est le terme d'ignorance qui ressort. Dima Changba cela indique ni Maripa de qui dit Shenyu Meba Toba Comprennent en d'autres termes, donc par ignorance, qu'est-ce qui est donc, c'est pas tellement pas connu, mais c'est mal connu en fait, ou méconnu, c'est en fait le fait que l'objet qui est conçu par une perception, cet objet conçu tout bonnement n'existe pas en fait. Voilà. Et notre méprise, c'est que pour nous, l'objet conçu, l'objet que l'on conçoit, l'objet conçu existe. Et la méprise nous vient de là, c'est ça qu'on va appeler ignorance fondamentale ici. Et donc, cet état de Bouddha qui s'est purifié des perturbations, d'autres termes, des voiles, en fait, des deux types de voiles, est un état donc dans lequel qui s'est dépouillé, qui a été purifié de cette méprise fondamentale, c'est-à-dire qui a réalisé le fait que l'objet conçu, tout bonnement, n'existe pas. Et donc, ces liens, donc cette capacité, donc de percevoir les liens entre ces éléments simplement à partir de la compréhension de ce qu'est l'éveil, en fait, permet donc à des êtres dont les capacités sont vives de pouvoir envisager en fait le développement de l'esprit d'éveil dans sa forme ultime avant celui dans sa forme relative. Et donc on parlera donc de ces êtres-là comme étant des disciples aux capacités vives, tout simplement. Alors on peut le formuler comme ça, des êtres, donc sous-entendu aux capacités vives, oui, mais des êtres qui suivent le raisonnement ou qui s'appuient sur le raisonnement, voilà, des êtres qui s'appuient sur le raisonnement. Wang de Tibet Jindang. Non, en opposition avec des êtres dont les facultés sont moins vives et que l'on qualifiera finalement de disciples qui s'appuient sur la confiance, sur la foi, en fait. Ici de Tibet, on a des tomes de Jisambaji. On a des lois de Jangjian, du coup, 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 on a des lois de Jangjian.
Et donc, ce deuxième type de disciples sont des disciples finalement qui vont d'abord développer de la confiance, en fait, vont d'abord faire, oui, développer de la confiance, développer de la foi, et ensuite, progressivement, mieux appréhender les qualités jusqu'à arriver à les percevoir et progresser de cette manière-là. Et donc, ce sont des êtres qui, dans un premier temps, vont chercher à développer l'esprit d'éveil dans sa forme relative pour ensuite pouvoir accéder donc au développement de l'esprit d'éveil dans sa forme ultime. Là, dans les indiens, dans dans la tradition chalangue de Shyadi, là, dans la tradition chalangue Shyadi, comme le disait Horace. Donc, toujours est-il qu'aujourd'hui, nous en sommes, enfin, ce qui nous reste à commenter, c'est le développement. Donc, comment s'y prend-on pour développer l'esprit d'éveil dans sa forme ultime, donc la bodhicitta dans sa forme ultime. Dans la tradition chalangue Shyadi, là, dans la tradition chalangue Shyadi, là, nous avons dit que c'est la pire chose que l'on peut faire. Alors, entendons-nous On bien. est jeune, Entendons-nous bien sur qu'est-ce que l'on entend par esprit d'éveil ultime, en fait. En fait, c'est un esprit qui, pour être bénéfique à tous les êtres, aspire à parvenir à la bouddhéité et qui perçoit directement la vacuité. En fait, c'est ça. C'est pas simplement l'esprit d'éveil ultime, c'est pas la simple réalisation directe de la vacuité. Alors déjà, ce n'est pas la simple réalisation de la vacuité, ce n'est pas non plus la réalisation directe de la vacuité, c'est un esprit qui, aspirant à être bénéfique à l'ensemble des êtres, aspire à parvenir à la bouddhéité et qui perçoit directement la vacuité. Ça, c'est l'esprit d'éveil ultime. Je vois, il est là-bas, il est sans détente. La vie était tente. C'est bon, chanson. N'aime pas son mensonge. N'aime pas la main. Je sens bien. Il y a des gens qui ont dit que c'est un peu de temps. Donc, ce qui nous amène à comprendre que pour développer une telle bodhicitta ultime, il faut arriver à appréhender en fait, la vue de la vacuité. Non, ça me tu parais, je vois, non. Alors, pour le moment, on va laisser de côté. On va laisser de côté la première, le premier, le premier vers, on va dire, enfin, de cette, la stabilité étant obtenue, le secret peut être exposé. On laisse ça de côté pour le moment. On va en fait considérer les vers suivants. Hein, et ce que nous dit ici notre texte, c'est considère les phénomènes comme des rêves. Contemple la nature non créée du connaisseur. Le remède aussi se dissout en lui-même. Établis-toi dans la dimension de la base de tout, l'essence de la voix. Et entre les sessions, sois un créateur d'illusions. Donc, si on reprend notre premier, notre vers ici, c'est considère les phénomènes comme des rêves.
c'est-à-dire inviter finalement à percevoir que tous les phénomènes s'apparentent en fait à des rêves. Manzo melam tang de la ne melam na lo la de ne su su gi a su su la kang de yong su na melam kang ji bu de tang su na shu shi na le gi do as mam ra shu le gi do as le nu ne tan yin ba na shi tong gi do as so wa de le gi do as le ne ya de gu ne tan yo re su la ne yo mar was wa and ne ta zhe ro de de yo mar wa de yo mar de nan xin che tam je ma rang zu na yin de ga ne ko rang ngo ni yo ba na xin na wa ta tu ba ji tong go re s wa tong go re yin ne ya de na wa ta du yo re ba la na na wa ta du yo mar is pe na me lam xin zin la ga ba re s pe lam na xin re s la ga ba re s pe de xian ni di tu han me ja wo ja wo xi wo re s wa. Alors, si l'on essaie de comprendre ce que ça veut dire que dans un rêve, par exemple, lorsque l'on fait un cauchemar, que se passe-t-il? Mais on a peur. Et pourquoi est-ce que l'on a peur? Parce que l'on pense que ce qui nous apparaît, en fait, est vrai, est réel. Or, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Non. On est dans un rêve. Donc, ça n'a rien de réel, rien de vrai. Ceci dit, ça nous apparaît, ça nous fait extrêmement peur. Cette analogie du rêve est utilisée pour montrer comment existent finalement les phénomènes. Et il en est exactement de même de tous les phénomènes. Tous les phénomènes nous apparaissent, en fait, d'une manière qui est fidèle à à leur réalité. C'est-à-dire, ils nous donnent l'impression, en fait, l'apparence des phénomènes qui s'imposent à nous, nous donne l'impression que les phénomènes existent comme ça, existent de la manière dont ils nous apparaissent, alors qu'il n'en est rien. Et c'est en ce sens qu'on dit que les phénomènes s'apparentent, en fait, aux rêves. Ce ne sont pas des rêves, mais s'apparentent aux rêves. Maya chomje, nam le filsons. Nam le fil nita, dentis nam le pin dudus. Rodiga ni tambu kiudus. Kiudus. And chidi nga jesingo mare, nganam le pirua. Then it I gang than ma pavotin, chin pamadun, young. The paviak chashi kadu than ma pamadun, gangatin, ye kaleka, 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 kadus and toka ni tevu, natin yana la de shasro. Alors, je vais vous faire part d'un rêve que j'ai eu l'occasion que j'ai fait. Je me suis trouvée, donc, en rêvant, bien sûr, à arpenter à me promener ou à arpenter une route. Et puis sur cette route. Namjunga chi dende sojagumades. Si gwanda tsem chi de gwal sojagumudos. N'étais-tu Milam dans l'Ola de ces mots-là? Et donc, dans mon rêve, j'arpentais une route, donc c'était de nuit. Et en fait, j'ai vu un chien qui venait à ma rencontre, avait la ferme intention de vouloir me mordre, enfin, de toute évidence. Et donc, j'ai eu peur, donc j'ai commencé à courir, à courir, à courir. Puis j'ai sauté et en fait, je me suis envolée, en fait, dans mon rêve. Et donc, je me suis envolée, j'ai échappé, en fait, au croc du chien, très bien. Et puis d'abord, en fait, dans l'air, comme ça que je me suis retrouvée dans l'air, j'étais bien, j'étais heureux, j'étais libre, c'était agréable. Et puis, au bout d'un moment, je ne voyais plus le chien, donc j'étais à l'abri. Et par contre, la panique, impossible d'atterrir. Je n'arrivais pas du tout à rien contrôler pour atterrir, jusqu'au moment où je me suis réveillée. J'avais beau essayer de poser de tout mon poids, mais je n'arrivais pas à atterrir. Ça ne voulait pas, je restais coincé en l'air. Et là, j'ai commencé à paniquer en me disant, mais comment je vais me reposer sur terre, là? Comment je vais faire? Et voilà, et donc c'était terrifiant, le chien était terrifiant, pas pouvoir atterrir, c'était terrifiant, mais il n'y avait rien de vrai dans tout ça. Et pourtant, j'étais paniqué intérieurement. Paniqué. Et donc, quelque part, il en est de même de tous les phénomènes. En fait, les phénomènes n'ont pas, en quelque sorte, la consistance qu'on leur prête. En fait.
C'est en ce sens qu'ils s'apparentent aux rêves, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas dans la manière dont ils nous apparaissent, dont leur apparence s'impose à notre esprit. Ya, dini ta jidan ta di tongni yu kor xie yungwa re sirwa. Dans ce qui nous amène en fait à xie parler de la vacuité. Ta tongni di toba cheba la, tongni yu tsola tenya de, ni kechim bore yesin. Alors justement, lorsque l'on veut donc appréhender la vacuité, c'est-à-dire la réalité, hein, la réalité du phénomène, quand on veut appréhender la vacuité, pour ce faire, donc, il nous faut un gitsok. Il nous faut réunir pardon, de multiples conditions en fait, pour ce faire. Donc, pour arriver à appréhender, à faire une représentation et arriver à la percevoir, il nous faut de nombreuses conditions. Ken, Mambo Gokeroa, dans ta dire. Ken. Parmi ces conditions, en fait, pour pouvoir appréhender la vacuité, nous approcher de la vacuité et l'appréhender, il est dit qu'il faut d'abord pouvoir s'appuyer en fait, sur des êtres excellents. S'appuyer sur des êtres excellents, puis ensuite écouter en fait, des enseignements, donc, ou leurs enseignements, d'autres termes. Et ensuite, le troisième point, c'est écouter encore et encore. Donc, écouter, ça peut être ici étudier, revenir encore et encore sur ces enseignements. Nous sommes le yang yang dedans, et de écouter, étudier, réfléchir encore et encore. Ah, réfléchir encore et encore. Oui. Ah, ça, c'est ça. Dans 10 minutes, on est dans le tour. Parce que s'il manque en fait l'une ou l'autre de ces conditions ici, on ne sera pas en mesure de la percevoir, de la réaliser. Ici, quand on parle de la première condition, on dit des êtres excellents. En fait, ça veut dire qu'on ne peut pas finalement se fier, en fait. Quand on dit s'appuyer, c'est dans ce sens, se fier à n'importe qui pour appréhender la vacuité. Oui, pourquoi insister sur ce premier point, donc de se fier, de s'en remettre, de se fier à un être excellent? Ici, cela nous renvoie à ce que le Bouddha Shakyamuni nous a indiqué lorsqu'il a parlé des confiances. Il parle de quatre confiances. Là, on n'en a évoqué que les trois premières. Mais il nous dit, en fait, il nous a dit, ne vous fiez pas à l'individu, mais fiez-vous au Dharma.
Ne vous fiez pas au dharma, mais par le dharma, c'est les paroles. Donc, ne vous fiez pas à l'individu, fiez-vous aux paroles, dans ce sens, le dharma. Ne vous fiez pas aux paroles, fiez-vous au sens, en fait. Quelquefois, vous lisez, ne vous fiez pas aux mots à la place du dharma ou à la place des paroles, c'est pareil. Donc, ne vous fiez pas à la personne, fiez-vous aux mots, au dharma ou au. Je sais plus ce que j'ai dit. Pardon? Parole, merci. Et alors ensuite, c'est ne vous fiez pas aux mots, aux paroles, fiez-vous au sens. Et le troisième auquel on se réfère ici, c'est ne vous fiez pas au sens qui requiert une interprétation, mais fiez-vous au sens définitif. Et cela, c'est pour nous mettre en garde contre des tendances que l'on pourrait avoir. Par rapport aux personnes en particulier, nous sommes assez facilement influençables, impressionnables, et il nous dit attention. Ne vous en remettez pas, en fait, spontanément à quelqu'un parce qu'il est célèbre. Ne vous en remettez pas à quelqu'un parce qu'il est charismatique. Ne vous en remettez pas à quelqu'un parce que son discours est éloquent. C'est quelqu'un qui, voilà, sait parler. Attention à ça, en fait. Ne vous en remettez pas à la personne, en fait, mais remettez-vous-en aux mots. Et dans les mots, en fait, allez au-delà des mots et passez au sens, en fait, de ce que dit la personne. Et ce sens, ne vous fiez pas en fait au sens qui requiert une interprétation, parce que ce sens qui requiert une interprétation dépend d'autres personnes aussi. Donc foncièrement. Donc ça veut dire fiez-vous en fait votre discernement en fait amenez-le sur le sens définitif, c'est-à-dire ce qui est à prendre au pied de la lettre. Ça. Oh, dit, il dit Donc déjà, il nous est montré clairement, en fait, qu'en écoutons le sens de ce qui est dit dans ce que l'on entend. En fait. Cherchons le sens de ce qui est dit. Voilà. Et ça, il nous appartient à chacun d'entre nous d'être vigilant quant à cela. Tendei samlo ma dangwa xe, ande ne tsikdak cha boda, nying cha boda dili chungsa na, dila gu korni ta, peti shi gui du sila ni, kurgi duwasa. Oda dis, chene, Ça, c'est vraiment nyangachimu shirarisa. Nyangachimu shirarisa. Une mise en garde, en fait, parce que notre esprit est très influençable et facilement impressionnable, en fait. Et il suffit que quelqu'un soit un peu charismatique, encore une fois, un peu célèbre, ou parle bien, entre guillemets, soit suffisamment éloquent, pour qu'immédiatement, entre guillemets, il fasse forte impression sur notre esprit et qu'on soit enclin à lui donner quelques crédits, sans examiner finalement plus avant, en fait, ce qu'il nous dit. Et ça, c'est pas sans risque. Agwa tu tanda di, jidan tanda di, to di, to ni tobi tawa te ya, kiti xe yungo res. Donc c'est valable d'une façon générale, ceci, mais là c'est indispensable dans le contexte. Donc à partir du moment où on cherche à développer quelques compréhensions de la vacuité de la réalité. Ta tanda di, to ni tobi tawa te ya di, ni to ni tobi tawa tardu, sui tingi ya na, on di, ni kong la juk tu, chi uwa res. Et donc, pour ce qui est justement de ce qu'on entendrait ici par un être excellent sur lequel il serait tout à fait légitime de se fier en matière donc de compréhension et de perception de la vacuité, en fait, ce sont des êtres qui eux-mêmes ont cette expérience directe-là. Da tonyi dobi tawa di ani jidan tonyi kor kazu de nangbe chumda na wa kazane sungwa res. Et là, il s'agit concrètement donc d'êtres qui ont vraiment percé en fait le sens ou réalisé la vue, ce qu'on appelle la vue ultime de la vacuité. Et cette recherche-là a donné lieu donc dans le bouddhisme à différents courants philosophiques. Dhamma dhengi yorde yene yang di nalo ni kung thakbo yakbochi la matana tonyi dobe tawa di yakbochi ma nye wachine dine nga zo loba choya nye nga yore sim sungwa res. Donc il y a, oui, différents courants philosophiques qui tous sont partis à la recherche, en quelque sorte, de cette vue de la vacuité, mais tous sont pas arrivés, enfin, tous ont développé ce qui est de leur point de vue, une vue ultime de la vacuité, mais qui reste, donc, pour nombre d'entre eux, extrêmement, enfin, qui reste limitée. Donc attention, en fait, à ne pas suivre n'importe quel être ici, en l'occurrence. Mandi janja do vidu ji kare. Ah, lo sa wa zu an karza. Gaja rajin di gang su shan ni.
Pourquoi dire ça? Parce qu'en fait, le risque est celui-ci. C'est Chankar Jolpe Dorje qui nous le dit dans l'Ode à la mer. Et à ce propos, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit attention, parce que si l'on suit en fait des êtres qui n'ont pas réalisé vraiment la vue ultime de la vacuité, en fait, que va-t-il se passer dans notre démarche et dans notre recherche de la vacuité? On va en fait chercher, on va laisser en fait. On va laisser là, en fait, les apparences qui s'imposent à nous et qui doivent être la base sur laquelle on travaille. On va les laisser là, considérant qu'elles sont de moindre importance, et on va aller chercher, Jango, et on va aller chercher. Et on va chercher. Ah, je me rappelle plus la traduction. Et on va chercher l'objet de réfutation. En fait, on va chercher ailleurs. En fait, on peut dire ça simplement comme ça. On va chercher ailleurs, en fait, l'objet de réfutation. Voilà, l'objet de négation. C'est-à-dire, au lieu de chercher l'objet de réfutation, de négation, sur les apparences mêmes qui s'imposent continuellement à nous dans leur diversité, on laisse les apparences comme quantité négligeable de côté et on va chercher ailleurs un objet de réfutation ou de négation. Et c'est la meilleure façon, finalement, de ne jamais trouver, en fait, la vue ultime de la vacuité. Et pourquoi, quelque part, entre guillemets, ce serait dramatique de se fourvoyer de la sorte? Parce que ça veut dire que si on ne développe pas, on n'arrive pas à percevoir quelle est cette vue ultime de la vacuité, bah, tout simplement, on ne peut pas réaliser la réalité, donc la vacuité. Et si on ne peut pas réaliser la vacuité, on ne peut pas, en fait, trancher la racine du samsara, donc on ne peut pas se libérer, en fait, du samsara, atteindre la libération, sans parler, a fortiori, bien sûr, de parvenir à la bouddhéité. Donc après, dans la même veine que de devoir s'appuyer finalement, la nécessité de s'appuyer sur des êtres excellents, c'est s'appuyer sur des textes en fait ici qui font référence en fait, donc des textes qui font autorité, des textes de référence qui sont en fait les traités de Nagarjuna. Et pourquoi peut-on s'appuyer, on pourrait dire, avec, en toute confiance sur les traités de Nagarjuna? C'est parce qu'en fait, le Bouddha Shakyamuni lui-même donc, a prophétisé, on peut dire, a prédit, en quelque sorte, la venue et la prééminence en fait, de cet être qui était Nagarjuna. C'est ce qu'on a. Sanin, qui est Et en effet, dans cette prédiction, le Bouddha Shakyamuni, donc je suis désolée, c'est une traduction à la volée, c'est assez grossier, mais le Bouddha Shakyamuni a dit quelque chose de cet ordre-là, à savoir que de la région du sud, donc sous-entendu du sud de l'Inde, de la région du sud... C'est pas loin du monastère de Serra, sud de l'Inde. Peu importe, c'est une plaisanterie là. Amaravati, je vois. Voilà. Donc du sud, du sud, donc dans la région du sud, viendrait à exister un être, un bhikkhu, c'est-à-dire un moine pleinement ordonné, du nom de Pelden, donc connu sous le nom de Pelden, auquel on aurait donné le, ou plus connu quelque part sous le nom de Naga.
en fait, qui sera en mesure de trancher, en fait, de couper court, de trancher les extrêmes de permanence ou de ce qu'on pourrait appeler d'éternalisme, si vous préférez, les extrêmes de permanence, d'éternalisme et les extrêmes de nihilisme. Et c'est un être qui trouvera, en fait, la vue ultime, donc de la voie, la vue ultime médiane, en fait, la vue du milieu, donc. Nous dit donc le Bouddha. C'est le Bouddha. Sachulame. Ma Sachulabhyamaro. Yantantayumaro. Daniel Sauvestin. Sanin Pachari Lokin. Ah, c'est ça. Tenez, il y a un peu de temps, Donc, si l'on s'appuie, par exemple, ainsi sur ce que nous a dit le Bouddha quant à Nagarjuna, dans la mesure où nous l'a présenté, en fait, comme un être qui trouverait, en fait, la vue médiane, ultime, il est légitime, finalement, de pouvoir s'appuyer donc sur ces textes, sur ces traités, qui indiquent, effectivement, donc qu'il y est parvenu. Et non, les gens, gumbulu Par ailleurs, pour faire écho donc aux différents courants philosophiques qui se sont développés au fil du temps, tous en quête donc justement de comprendre la réalité et en quête de développer la vue qui comprend la réalité, on trouve donc l'école des Madhyamika, pardon, du Madhyamika, c'est-à-dire l'école du milieu. En particulier la sous-école au sein des Madhyamika, des Madhyamika Prasangika, et la vue, donc qui est finalement le courant philosophique qui a développé la vue qui est la plus aboutie, finalement, qui est la plus fine, la plus aboutie. Et Nagarjuna, donc, peut dire être le fondateur, en quelque sorte, de cette vue donc des Madhyamika Prasangika, qu'on traduit souvent par les conséquentialistes. Et à sa santé, le Dalai Lama fait très référence donc, à ces maîtres-là, et en expliquant, par exemple, en montrant finalement la filiation, en tout cas de vue, en fait, qu'il y a entre Nagarjuna, ensuite un maître comme Buddha Palita, et après lui, Chandrakirti. Donc, on pourrait dire pourquoi s'embarrasser, entre guillemets, de tout ça, finalement. C'est pourquoi? C'est parce qu'on cherche à se débarrasser de nos émotions, de nos facteurs perturbateurs. Et c'est ce que l'on cherche. Quand on cherche, en fait, à développer une vue de la réalité, c'est pour pouvoir se doter d'un outil qui nous permettra de mettre un terme définitif à nos perturbations. C'est ça, tout le but de cette démarche. Parce qu'en effet, si l'on regarde bien, nos facteurs perturbateurs s'élèvent en dépendance de l'ignorance. C'est parce qu'il y a cette méprise quant à la manière d'appréhender la réalité, finalement, on se méprend quant à la façon dont les choses existent, c'est à cause de cela que s'élèvent nos perturbations. Et donc, pour appréhender en fait l'ignorance, il faut voir de quelle manière justement l'ignorance nous fait percevoir les choses. Et on dit littéralement ou techniquement, il nous faut appréhender le mode de conception en fait des choses, c'est-à-dire comment notre conscience est amenée à concevoir ce qui lui apparaît en fait. Et c'est parce qu'on comprend
comment notre conscience conçoit, en fait, saisit, c'est un terme que vous utilisez souvent, qui est utilisé souvent, saisit ou conçoit, en fait, ce qui lui apparaît, qu'il y a cette méprise, et donc ensuite que s'élèvent les perturbations. Et tout le propos de la vue, c'est d'arriver à comprendre comment l'ignorance, en fait, comprend ce qu'elle conçoit ou perçoit ce qu'elle conçoit, et ensuite ce qu'elle en fait, etc. Donc, ce qui nous amène en fait au début, c'est-à-dire la première des choses, c'est bah, qu'est-ce que c'est l'ignorance en fait. Donc, l'ignorance peut avoir plusieurs sens, plusieurs acceptions. Par ignorance, habituellement, qu'est-ce qu'on entend? C'est le fait de ne pas savoir quelque chose. Et en soi, il n'y a pas de problème. En soi, il n'y a pas de problème à dire que l'ignorance est de ne pas savoir. Oui, dans nombre de cas, on ignore quelque chose parce qu'on ne le connaît pas. C'est tout à fait correct. Mais ici, ce n'est pas dans ce sens qu'on utilise l'ignorance. Ici, de quoi est-on ignorant? On est ignorant, finalement, de la manière dont les choses, dont les phénomènes, finalement, existent ultimement. En fait. Pour le dire autrement, finalement, l'ignorance, c'est en fait un facteur qui, certes, on peut dire qu'il s'interpose entre la conscience et ce que va appréhender la conscience. C'est comme une espèce de filtre, en fait, et qui fausse finalement la perception. C'est en ce sens, en fait, qu'on parle de méprise. Cette ignorance est un filtre qui s'interpose, en quelque sorte, entre la conscience et ce que va percevoir la conscience. Et là, en l'occurrence, quand on va percevoir un phénomène, la conscience appréhende ce phénomène par le biais de ce filtre. Et qu'est-ce qu'interpose en fait ce filtre qu'est l'ignorance en fait? C'est l'illusion que le phénomène existe comme il nous apparaît. Donc la méconnaissance qu'il y a, c'est une méconnaissance finalement de la manière dont existe ultimement, finalement, réellement le phénomène. C'est ça. Et quel est le mécanisme finalement de chaque perception? C'est que notre conscience appréhende n'importe quel phénomène donc par le truchement de cette ignorance, donc par le filtre, via le filtre de cette ignorance. Cette ignorance qui nous amène à croire que ce que l'on perçoit, que quoi que ce soit, que le phénomène, une chose que l'on perçoit, existe comme elle apparaît à notre esprit, cette chose. Voilà, comme il nous apparaît. En fait. Ça, l'ignorance nous donne cette illusion-là, nous fait croire ça, ça c'est l'ignorance, et on y croit à ça. En fait. Donc il y a un double niveau d'ignorance en quelque sorte. Il y a l'apparence est faussée, c'est-à-dire l'apparence donne l'illusion d'être la réalité, alors que ce n'est pas le cas, c'est une chose. Mais en plus, on y croit en fait, à cette chose-là. Et parce qu'on croit en fait que le phénomène existe comme il nous apparaît, que va-t-il s'élever? Va s'élever ce qu'on va appeler, traduit souvent par les exagérations inappropriées, on peut dire littéralement les applications mentales incorrectes. Ça veut dire que notre esprit... Attendez, il faut que je finisse, Richard, je ne vais pas y arriver. Et après, mais notre esprit s'applique de façon incorrecte à son objet, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va exagérer. C'est-à-dire que notre esprit perçoit l'objet, il pense que l'objet existe comme ça.
Et donc, notre esprit va trouver cet objet agréable, va trouver cet objet désagréable et va ajouter des qualités ou au contraire nier des qualités ou rajouter des défauts, peu importe, à l'objet. Ce qui va susciter quoi? De l'attachement ici, de l'aversion là, et fort ensuite de l'attachement, l'aversion, les autres perturbations, et on va agir sous le coup des perturbations et créer du karma. C'est ainsi qu'on se... on s'auto-entretient en fait dans ce cycle, en quelque sorte, du fait de l'ignorance. Et essayons en fait à travers notre propre expérience finalement de séquencer en fait ce processus. C'est-à-dire que habituellement quand on voit quelque chose, on voit par exemple une personne, on voit une personne, on peut dire pour une première fois par exemple, on voit une personne et quand on voit donc une personne, donc pour une première fois par exemple, on peut dire la première rencontre, la première fois qu'on la voit comme ça, dire la personne nous donne une bonne impression, par exemple. On a une bonne impression de cette personne. Et si on regarde bien, c'est pas forcément à cet instant-là immédiatement que s'élève l'attachement, en fait. Mais regardons après le processus. On a rencontré, on a vu cette personne qui nous a donné une bonne impression. Et on va, par exemple, y réfléchir. Donc là, on le décortique très grossièrement, mais pour comprendre le processus. Et on va y réfléchir. On dit, ah oui, elle est bien, cette personne. Parce que, ah oui, elle a dit ça, ou elle est comme ça, ou elle montrait ça, ou ah oui, il y a telle qualité, telle qualité. Et on commence, en fait, c'est ça l'application mentale incorrecte, on commence à projeter des choses, en fait, sur cette personne. Voilà. C'est ça l'application mentale incorrecte. Et au vu de ce qu'on va projeter, ben là, en l'occurrence, on va développer de l'attachement, par exemple. Et ensuite, ben, sous l'emprise de cet attachement, ben, on agit, en fait. Donc, on crée du karma. Et c'est ainsi, en fait, que l'on erre, qu'on continue à errer à travers le cycle de nos existences. Dans l'instance de la voie du milieu, donc Nagarjuna nous dit quand nos karmas et nos perturbations sont interrompus ou cessent,
l'on obtient la libération, on se libère, ou la libération consiste en la cessation de nos karmas et de nos perturbations. Nos karmas et nos perturbations proviennent en fait de nos projections mentales, donc de nos pensées, mais dans ce sens de projection mentale, d'exagération, d'application mentale incorrecte. Donc nos karmas et nos perturbations proviennent de nos projections mentales. Nos projections mentales elles-mêmes sont générées en vertu des, alors littéralement le terme, c'est des élaborations de la conception de l'existence réelle. C'est-à-dire qu'on conçoit que les choses existent réellement. Ça, c'est une élaboration. C'est un des filtres dont il est question de l'ignorance, en fait. Un des filtres de l'ignorance. C'est-à-dire qu'on élabore, en fait, sur quelque chose qui n'existe pas, on prête à quelque chose qui n'existe pas, on prête une existence en soi, une existence réelle. C'est ça la conception de l'existence réelle ou la saisie de l'existence réelle. Et donc, nos projections mentales viennent de quoi? Elles viennent de l'élaboration, donc des élaborations de la conception de l'existence véritable. Et ces élaborations, donc sous-entendu ces élaborations de la conception de l'existence véritable, elles sont produites en vertu de quoi? Au contraire, comment sont-elles éliminées? Elles sont éliminées par la vacuité. Elles cessent donc par la vacuité. Donc si on reprend, Nagarjuna nous dit, la libération consiste en la cessation ou vient en dépendance de la cessation de nos karmas et de nos perturbations. Nos karmas et nos perturbations trouvent leur source dans nos projections mentales, lesquelles projections mentales ont pour origine, en fait, les élaborations de la conception de l'existence véritable. Ces élaborations cessent par la vacuité, dans la vacuité. Et donc, on comprend par là, en fait, toute l'importance que l'on attribue à la vacuité, finalement. Pourquoi on accorde autant d'attention à la vacuité? Parce que c'est bien, non, de voir que tout est vide, finalement. Donc ça, c'était un peu une plaisanterie. Mais Yaba. Madhuba. Madhuba. Madhuba, Madhuba. J'espère que vous avez apprécié les nuits. Taja, troupe, c'est à dire, troupe, c'est à dire, n'ingra. Ya, ya, ya. Nawatadu, Madhuba. Nawatadu, Madhuba. Pardon, excusez-moi là. Quelle heure est-ce? Je n'ai pas eu mon goûter. Peut-être que mon prononciation. Non, elle est parfaite. C'est un peu. Tout va bien. Un bout de l'accent de Ando, un petit peu. Mais c'est pas, ça va à force. À cause de ça, on les comprend. Ah bien. Excusez-moi. Des fois, elle dit, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est un petit accent de Lille pour vous situer à peu près l'Ando par rapport au Tibet. Donc... Et moi, je suis du Sud. Donc. Donc simplement quand on parle de la vacuité, donc pour revenir à la vacuité, si on veut l'exprimer autrement, en fait, quand dire que les choses sont vides, en fait, elles sont elles n'existent pas, en fait. C'est une autre manière de le dire, pardon, de dire la même chose, de dire que les choses n'existent pas de la manière dont elles apparaissent. Elles n'existent pas comme elles apparaissent. Elles ne sont pas établies de la manière dont elles apparaissent. Sans parler à notre stade, sans parler de dire, arriver à réaliser que les choses n'existent pas telles qu'elles nous apparaissent, mettons ça de côté, mais simplement se dire il est possible que les choses n'existent pas comme elles nous apparaissent. Simplement se glisser ça, en fait. Mm.
Simplement, si on pouvait se donner cette possibilité de glisser ça dans nos différentes perceptions, peut-être que les choses n'existent pas là comme elles m'apparaissent. Si on arrivait à glisser ça ici et là, la force de notre attachement, la force de notre aversion, de notre rejet, tout ça, en fait, serait considérablement diminuée. En fait. Sheda, halewa, halewa niwa, ça va? Ça va. Partie de ma vie, tu es là, tu vas se dire. Tranquille. C'était un mot que Kishila ne connaissait pas. Voilà. Inconsidérable. Ya, tu es là, Alors déjà, au moins avant de remettre en question complètement, peut-être si les choses existent ou non telles qu'elles nous apparaissent, ben, observez, voilà, regardez, simplement observez comment spontanément chacun d'entre nous fonctionne. Regardez comment, lorsque vous percevez quelque chose, qu'est-ce qui se passe en fait. Est-ce que votre esprit de suite adhère à cette chose-là? Forcément, elle existe. Est-ce que vous y croyez quelque part, en fait, quand on dit le concevoir, c'est ça, est-ce que vous croyez à ce qui apparaît ou pas? Comment ça se passe pour vous? Et ça, c'est un petit peu, on pourrait dire, tout le travail d'une vie, c'est-à-dire de regarder de quelle manière les choses, de quelle manière on perçoit les choses, de quelle manière de quelle manière les choses nous apparaissent, de quelle manière on se relie aux choses. C'est ça. Et ça, nous avons. Enfin, chaque instant de vie est une occasion d'observer ça. En ce sens qu'il suffit de voir, par exemple, qu'ici, l'on éprouve de l'aversion, par exemple, là, de l'attachement, là, qu'on observe telle chose. Et chaque fois, en fait, quoi que ce soit qui s'agit, est-ce que, par exemple, cette chose qui suscite là en moi autant d'attachement, est-ce que cette chose-là, elle existe comme je pense, en fait, comme je le pense, c'est-à-dire comme elle m'apparaît? Est-ce que cette chose qui suscite là mon rejet, en fait, ou aussi fort rejet, est-ce qu'elle existe comme je pense qu'elle, comme elle m'apparaît, en tout cas? Est-ce que, oui, est-ce que je pense qu'elle existe comme elle m'apparaît? Questionner, en fait. La réalité des choses et notre manière de la percevoir. Regardez une chose assez simple. Ce qu'on appelle un objet d'attachement, c'est quelque chose en fait qui suscite notre attraction, hein, vers lequel on se sent attiré, qu'on a besoin d'avoir, etc. Hein, c'est ça, un objet d'attachement. Si un objet d'attachement, ce qui est pour nous un objet d'attachement, si cette chose-là existait de son propre côté, qu'est-ce que ça voudrait dire? En fait, ça voudrait dire qu'elle devrait être un objet d'attachement absolument pour tout le monde, que tout le monde en fait voudrait cette chose-là, serait attaché à cette chose-là. Et ça, on voit bien que ce n'est pas le cas, en fait. Et que même ce qui est pour nous un objet d'attachement est un objet de profonde aversion pour d'autres, par exemple, qui suscite leur colère, ou leur rejet, leur dégoût, tout ce que vous voulez. Et c'est certain, on le voit tout nous, ça. Et nous-mêmes, on est incapable de voir cet objet-là comme lui, en fait, comme cette personne, enfin, ou comme elle. Je veux dire, pour nous, il n'y a rien de, il y a aucun, il y a aucun rejet. On ne ressent absolument pas d'aversion pour cet objet, en fait. Et donc, on voit bien, on a deux perceptions, et donc après ressenti, etc. Mais deux perceptions, mais complètement différentes d'un même objet. Et donc, ça vient de quoi? D'accord. Et c'est quoi la différence? Bah, la différence, c'est qu'on n'a pas projeté la même chose l'un et l'autre sur l'objet. En fait.
Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre quand on dit que le phénomène observé, l'objet observé, existe que comme simple désignation, finalement, par la pensée, en fait. C'est-à-dire simplement un nom mis, enfin, oui, une simple désignation, un simple nom, hein, quand on dit désignation. On voyait autrefois, qu'est-ce qu'on voyait comme étiquette, ou qu'est-ce qu'il y avait comme terme, label, on disait, bon, c'est vieux comme traduction, mais. Oui, désignation, en fait, simplement, comme simple désignation attribuée, en fait, à cet objet par la pensée, en fait, par notre esprit. T'as des argotis. Donc ça, il nous faut en avoir conscience et y réfléchir. Tende jinsam dan rugi na tini sususem na lo la. Tende sine jiwa dan tori sura. Et si on amène ce type de réflexion dans notre quotidien, ici et là, encore et encore, on finit par finalement un peu moins adhérer un peu moins en fait à la Un chose, bon mois, finalement, oui. adhérer un peu moins. Un bon petit mois. Et c'est clair que ça concourt à une détente mentale, en fait. L'esprit est beaucoup plus détendu, finalement. Parce que notre esprit est moins assailli par nos perturbations, du coup. Il nous reste quelques minutes, peut-être 5 minutes, hein, éventuellement si vous avez une question. Et si vous n'en avez pas, on s'arrêtera là. Alors, on va même laisser les questions, en fait, et pour prendre ce temps pour réciter des prières, dont celle qui, dans la, bon, c'est traduit par supplique, je crois que j'ai vu ça, en supplication, pour le prompt retour de Lama Sopa Rinpoche. Il y en a, non? La main s'ouvre un peu, c'est ça, ça va tout qui sera à coup malice. N'y m'a tout une pédé à quoi t'adache d'ailleurs. Alors, Lama Sopa Rinpoche, donc les personnes nouvelles parmi vous, bien sûr, ne pouvez pas le connaître. Les anciens, voilà, vous le connaissez très bien. Et donc, c'est ce maître qui est sur cette bannière ici, donc de plein pied. Et je pense que pour l'essentiel, même si c'est en anglais, vous en comprenez le sens. Et le fait est que c'est un être qui a vécu absolument, pardon, qui a vécu absolument conformément à chacun de ses mots, quoi. Et on va lire tous ensemble donc cette supplication pour son propre retour. Donc c'est un être, bien sûr, si on parle de propre retour, c'est un être qui a manifesté le passage en parinirvana il y a un peu plus de 2 mois maintenant, le 13 avril cette année. Et non, mais c'est quoi? Kangi. Fini, vous avez terminé, t'as dit? Et donc, pas tout à fait. Et on va lire donc en français, en fait, En tous, français. pour s'imprégner du sens qui, de façon très brève, hein, très succincte, mais nous montre un peu l'étendue, finalement, des qualités et quelque part des réalisations, en fait, de Rinpoche. T'es intégré, on t'a. Qui dans Sanji Tembala permet ce que tu me chades au reste. Et c'est un être qui a toute sa vie durant servi indiscutablement la doctrine du Bouddha, en fait, qui a porté en fait cette doctrine. Labardo, EBMD. Je vous dis que tu me chades au reste.
Et plus particulièrement, donc l'organisation donc de la Fondation pour la préservation du bouddhisme Mahayana, de la tradition mahayaniste, pardon, la FPMT, donc cette organisation qu'il a fondée, lui doit infiniment. Et l'institut ici, l'institut Vajrayogini, est un centre affilié, en fait, qui appartient, enfin, qui relève de cette fondation de la FPMT. Et pour ce qui est physiquement, on peut dire, de ce centre, Lama Yeshe, donc qui était le maître de Lama Sopa Rinpoche, donc Lama Yeshe, qui est à la droite de l'autel, la photo est à la droite de l'autel, et Lama Sopa, qui à l'époque donc était son disciple, ont quelque part fondé en fait ce centre ici. Et donc, unissons les bons pouvoirs, justement, en étant ici, en bénéficiant finalement, en ayant ici ces occasions, ces opportunités extraordinaires, nous bénéficions en fait, justement, enfin, c'est grâce à eux que nous bénéficions de ces conditions extraordinaires. Donc, unissons nos prières dans ce sens-là. Et unissant nos prières justement afin qu'il puisse qu'il se remanifeste le plus rapidement possible. Et Lama Sepa Rinpoche lui-même est un être qui n'a eu de cesse finalement de nous exhorter, nous stimuler, en fait, nous secouer de différentes manières, en fait, pour nous permettre de nous transformer, et aspirant à ce que sa prochaine manifestation soit encore plus puissante, même dans sa capacité donc de nous exhorter à nous transformer. Donc on va lire tous ensemble en français. Incomparable enseignant, assemblée des bodhisattvas, auditeur et réalisateur solitaire, vainqueur Losang, accompagné de votre lignée de père et fils spirituel, ensemble des objets de refuge, du chant parfaitement pur, accordez-moi à cet instant même la vertu et la bonté pour accomplir cette prière, afin que vous mainteniez et propagiez par vos explications et réalisations, les précieux enseignements du Moni, parfaitement accomplis, je vous adresse cette supplique à vous, le vénérable maître incomparable, revêtu d'une armure de patience qui jamais ne fléchit. Unique source de tout bienfait et de tout bonheur, à l'apogée de vos efforts continuellement consacrés au bien de nos mères transmigrantes et à l'enseignement du vainqueur, vous voilà soudainement parti en paix. Quelle perte terrible! Néanmoins, grâce à l'infaillible vérité des flots des grâces des trois joyaux et aux grandes vagues de l'esprit d'éveil des bodhisattvas, puisse le sourire d'une nouvelle incarnation rapidement s'épanouir pour la gloire des disciples fortunés. Donc on va offrir, je ne sais plus la page, vous allez m'aider, le cours mandala. Sanje shindo mi de bhuwa ye, logu nanda shingla chobar shu, idam guru rana meda, kamiya daya me. Tenita manzu, dedikasa. Manzu ki, tari nima ningam gewa sasha wadi, unwa shi adi kechim shira res. Tenita, tanda di unwa tsikji tundu stila, tsiki ten yila chenshi bengane, tout au long de cette nouvelle journée, donc ici nous avons accumulé infiniment de vertus, d'énergie positive, rassemblé infiniment d'énergie positive,
Ayant à cœur maintenant donc de la préserver, ce que l'on va faire à l'aide des dédicaces, finalement dont il convient d'imprégner le plus dédicaces dont il importe de réfléchir au sens finalement. C'est pas simplement de lire les dédicaces, mais d'imprégner voilà, notre esprit de leur sens. On est page 16 dans le petit livre, alors excusez-moi, de la compilation des prières. Page 16. Page 16. Tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croisse l'abondance, la prospérité et l'excellence. Tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur, et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Quand ici et là, on psalmodie en fait les strophes en tibétain. Si vous n'avez pas l'habitude, ne les connaissez pas, etc., sentez-vous complètement à l'aise de lire le français, surtout pour essayer de vous imprégner du sens. Donc, on prend la première strophe, ensuite à la page 18, comme prière de l'envie pour sa santé, le Dalai Lama. Ensuite, on va citer le premier quatrain, la page 19, donc, qui fait office aussi finalement de prière pour le retour donc, de Lama Sopa Rinpoche. Vous avez bien une modification des trois derniers termes en tibétain, qui devient Nyur Chön Shok. Mm.
Alors, on passe à la quatrième de couverture derrière. Grâce à ces vertus, puissent tous les êtres parachever les accumulations de mérite et de sagesse et atteindre les deux corps excellents qui découlent des mérites et de la sagesse. Et là, maintenant, il y a eu l'explication de texte que vous avez eu ça en début d'après-midi. Les deux causes et les deux corps. Et on revient à la page 19. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puis-je jouir de la splendeur du dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puis-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Donc, de finir comme ça doucement en français, ça fait comme si on l'avait fait en tibétain. Ça revient bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et à demain. À demain.